Continents intérieurs par Philippe Renaud. Aujourd'hui, Maître Eckhart ou la plénitude de l'abîme, en compagnie d'Isabelle Raviolo et de Michel Cazenave. S'il est une figure centrale de ce courant spirituel que l'on appelle la mystique rhénane, ou parfois aussi la mystique rhéno-flamande, en référence au Rhin qui s'écoule dans ce qui des siècles durant fut la partie occidentale du Saint-Empire romain germanique, cette figure, c'est bien entendu celle de Maître Eckhart. Maître Eckhart, qui vécut au tournant du XIVe siècle, et dont l'œuvre, condamnée et frappée d'interdiction par les autorités religieuses de son époque, connaîtra un destin tout à fait exceptionnel, à la mesure de sa fécondité et de sa profondeur, tant du point de vue métaphysique et théologique que de celui de l'expérience spirituelle qu'elle suppose. Irriguant ouvertement, mais parfois aussi de façon souterraine, des pans entiers de la réflexion en Occident, inspirant nombre de théologiens, de mystiques et de philosophes, jusqu'à ces personnalités majeures de la psychanalyse que sont Carl Gustav Jung et Jacques Lacan. Le regain d'intérêt qui existe aujourd'hui pour une dimension spirituelle par-delà tout ce que l'on peut en dire, par-delà toute définition que l'on pourrait en donner, permet sans doute de comprendre également la faveur, pour ne pas dire parfois la fascination, dont jouit actuellement le maître rhénan auprès d'un assez large public, à l'intérieur, mais également bien au-delà des limites du christianisme. Christianisme dans lequel il n'a bien entendu jamais cessé de s'inscrire. C'est donc en compagnie d'Isabelle Raviolo et de Michel Cazenave que nous allons tenter d'explorer quelques-uns des chemins de pensée qui sont autant de chemins de vie offerts par la lecture de Maître Eckhart. Isabelle Raviolo, qui est docteur en philosophie et en théologie et qui enseigne à l'Institut catholique de Paris, et Michel Cazenave, dont la réflexion, on le sait, trouve un écho particulier dans tout le courant de la théologie négative, depuis ses racines néo-platoniciennes jusqu'à ses résonances les plus récentes au sein de la psychanalyse. Maître Eckhart se situe dans une filiation à la fois de théologie, mais aussi de philosophie. Et ces autorités, les auctoritates, comme vous le dites, sont décisives dans la constitution de sa pensée et dans sa formation spirituelle. Alors, pour citer les plus importantes, il me semble qu'au XIIIe siècle, Albert le Grand et Thomas d'Aquin ont joué un rôle essentiel dans sa formation théologique. Et du côté des maîtres païens et des autorités arabes et juives, il est certain qu'Aristote, mais avant Platon, ont été importants dans ses lectures. Du côté juif et arabe, Maïmonide a joué un rôle décisif dans la constitution de la pensée d'Eckhart, et notamment le guide des perplexes qu'il avait dans sa traduction latine sous l'appellation du Dux Notrorum, et qui est au fondement de toute sa métaphysique de l'Exode et de sa réflexion sur le tétragramme, sur la transcendance de Dieu et sur l'exégèse donc de Exode 3.14, du buisson ardent. Mais alors, en dehors des auctoritates, est-ce qu'il n'y a pas aussi, comme on l'entend dire parfois, une convergence d'idées, voire même une influence du mouvement des béguines sur la pensée d'Eckhart? Les béguines étant, comme on le sait, ces femmes qui vivaient dans des communautés religieuses laïques, c'est-à-dire qui n'étaient ni épouses ni moniales, et qui par conséquent bénéficiaient d'une relative autonomie vis-à-vis des autorités religieuses. Oui.
Il est aussi certain que tout un courant de pensée féminine, taxé à tort de non-mystique, alors que les hommes auraient été davantage du côté de la Wesen mystique, mystique amoureuse, contre mystique de l'être, je pense que c'est une opposition assez malvenue, et que ces femmes, comme Hedwige d'Anvers, ou encore Béatrice de Nazareth, Julienne de Norwich, mais aussi Marguerite Porrette, dont il a certainement lu l'œuvre majeure, Le miroir des âmes simples et anéanties, dont il a aussi connu la fin tragique, puisqu'il était à Paris en 1310, en juin notamment le 10, quand Marguerite Porrette s'est fait brûler sur la place de Grève, donc actuelle place de l'Hôtel de Ville à Paris, et que ces femmes, dans leurs œuvres mystiques, dans leurs traités spirituels, ont été des lectures très importantes pour le maître, même si ce sont des influences de l'ombre qu'il ne cite pas vraiment, comme il pourrait citer Aristote, comme il pourrait citer Sénèque, Cicéron, ou encore Maïmonide, sous l'appellation de Rabbi Moses, ou encore d'autres auteurs païens ou chrétiens. C'est quand même une des lectures, hein, la lecture des Béguines, qui ont marqué Maître Eckhart et qui ont nourri sa pensée, de fait, oui. Ce qui est tout de même surprenant, c'est qu'il est arrivé à Strasbourg en 1313, je crois. Oui. Il était chargé par son ordre dominicain de vérifier qu'il n'y ait pas de débordement du côté des Béguines. Et c'est elles-mêmes qui l'ont influencé, finalement. Oui, alors il les avait connues avant. Hein. Je pense que les traités qu'elles avaient écrits, il les avait lus avant. Mais que ces 10 années à Strasbourg, où Maître Eckhart fut en charge de la Cura Monialum, ce furent aussi des années décisives, puisque c'est là réellement qu'il devient un Liebmeister, un maître de vie, et qu'il va prêcher en langue vernaculaire, donc dans la langue du peuple, en moyenne-allemand, et donc ces concepts, ces notions de la mystique et de la théologie vont sortir du domaine du langage latin, donc du domaine traditionnel, ecclésiastique, pour prendre forme dans une langue nouvelle, une langue plus proche des gens, du peuple, des béguines, des personnes qui n'avaient pas finalement toujours lu la Bible ou qui ne l'avaient pas médité. Et du coup, effectivement, ça constitue pour l'Église et le pouvoir en place un péril réel, puisque en changeant finalement de langue et de langage, on donne accès aux subtilia, hein, c'est-à-dire aux choses de l'esprit, à des personnes qui étaient considérées comme des personnes frustes, donc en réalité qui pouvaient mal comprendre ce qui leur était donné à entendre. Et puis, si vous voulez, pour reprendre votre question concernant l'influence des béguines et la charge de Maître Eckhart pendant ces 10 années de vie à Strasbourg, je pense que il est important de savoir ce qu'on appelle hérésie et dans quelle mesure on peut parler de mouvement hérétique concernant ces femmes. Je crois que ce qui pouvait déranger, c'est une certaine approche féminine de Dieu et une certaine liberté dans le langage qui n'était pas autorisée à l'époque. Mais rien n'était dans le fond hérétique par rapport à ce qui pouvait être lu ou entendu. Mais en même temps, Isabelle Raffaello, c'est la question que j'aimerais vous poser. Parce qu'on voit trop bien Maître Eckhart faire souvent référence à quelqu'un comme Origène. Or, autant que je sache, Origène avait été condamné par l'Église. Alors, quel est exactement le rapport de Eckhart à quelqu'un qui était considéré comme plus ou moins hérétique ? Alors, le rapport Maître Eckhart au Père de l'Église et à Origène notamment, c'est un rapport où finalement Eckhart se nourrit d'une lecture, mais la transpose dans toute une pensée qui reste très orthodoxe, hein, même si on a condamné Eckhart d'hérétique dans certaines de ses propositions.
il veille hein, constamment à une christologie et une théologie trinitaire tout à fait solide. Alors c'est justement cette façon de très particulière, très propre à Maître Eckhart de lire les anciens et les pères de l'Église et les Béguines et le courant de la mystique féminine réno-flamande et les auteurs païens et les philosophes dans le but non pas de se situer dans une filiation littérale, mais au contraire dans la perspective de refonder toutes ces lectures dans un cheminement qui lui serait propre et qui va finalement poser les fondements de la mystique rhénane, hein, puisqu'il est le chef de file, suivi par Toller et Suzeau, ses disciples. Mais c'est vraiment une manière de réinterpréter tout l'acquis théologique, tout l'acquis mystique, tout l'acquis philosophique pour en faire en quelque sorte une pensée nouvelle et ouvrir la voie à une spiritualité neuve hein, qui va éclairer l'Occident médiéval. Si tu veux donc trouver pleine consolation et plénitude de joie en Dieu, veille à être vide de toutes les créatures, de toute consolation venant des créatures. Car tout le temps que la créature te console et peut te consoler, tu ne trouveras assurément jamais de vraie consolation. Mais lorsque rien, hormis Dieu, ne peut te consoler, en vérité, Dieu te consolera, et en même temps que lui et en lui, tout ce qui est joie. S'il était possible de vider parfaitement une coupe et de la garder vide de tout ce qui peut la remplir, même de l'air, la coupe renierait et oublierait certainement sa nature, et le vide l'emporterait jusqu'au ciel. De même, être dénudé, pauvre et vide de toutes les créatures, élève l'âme jusqu'à Dieu. Il y a une de ces sources qui me semble-t-il que vous n'avez pas citée, qui est le pseudo de Nie, qui a été traduit du grec au latin par Jean Scott Erigène au IXe siècle. C'est vrai que le pseudo de Nie a été un auteur déterminant dans la constitution de la pensée Descartes. On pense au nom divin, la théologie mystique, bien sûr, cette fameuse ténèbre lumineuse. Alors, comment Maître Eckhart réinvestit le pseudo de Nie dans son œuvre? C'est une autre question. Il n'est pas seulement dans la filiation du pseudo de Nie, il reste proche aussi de saint Thomas d'Aquin, mais il se démarque de ces deux auteurs en proposant un chemin propre, justement. Et c'est vrai que souvent, on fait de l'œuvre Descartes une œuvre très marquée par le pseudo de Nie. Je pense qu'il faut nuancer et comprendre que si le pseudo de Nie a joué un rôle dans cette formation de la pensée de Maître Eckhart, il a été aussi mis à distance par tout un travail christologique qui est l'apport aussi décisif de l'œuvre latine de Maître Eckhart. Mais alors justement, oui. C'est la question que je me pose, parce qu'avec le pseudonyme, et ce que c'est Erigène, d'une certaine manière, il est dans la travée néoplatonicienne, si l'on peut dire, et en même temps, il est très aquiniste, si on peut dire, c'est-à-dire très aristotélicien. Et je me demande comment est-ce qu'on fait le pont, est-ce que de cette manière, il n'y a pas échappé. Comment est-ce qu'on fait le pont entre le platonisme et l'aristotélisme? Alors, c'est vraiment une question importante, puisque c'est celle-même qui constitue un point de départ dans les exigences requises par les interprétations de Maître Eckhart, où il dit, hein, dans le commentaire de l'Évangile de Jean, puis aussi dans l'Opus Tripartitum, qu'il cherche à expliquer l'Écriture sainte, la Bible, à la lumière de la raison naturelle des philosophes. Donc, cette perspective, elle est déjà assez étonnante hein, pour son époque, bien sûr, pour le XIVe siècle, elle pose finalement la question de savoir, comme vous le disiez, Michel, comment finalement
Eckhart parvient à réconcilier, entre guillemets, sous ses auteurs, le néoplatonisme, christianisme, Aristote, les Béguines. On a l'impression, finalement, d'un éclectisme. Or, ça n'en est pas, puisque Maître Eckhart parvient, finalement, à relier tous ces auteurs-là par une dialectique très originale, qui est la dialectique de l'image présente au cœur de son œuvre, et par une mystique tout à fait nouvelle, la mystique de la naissance de Dieu dans l'âme. Donc, finalement, à y trouver, hein, en quelque sorte, à résoudre le nœud gordien, hein, à partir d'un épicentre qui est la christologie. Hein, c'est une christologie d'en haut, c'est-à-dire une christologie qui s'explique à partir de la divinité même du Christ pour rejoindre son humanité. Donc on pourra en reparler, je pense, dans la suite de l'émission, mais je pense que c'est un point central qui est pour moi un pont entre ces différentes sources et qui donne à l'incarnation une place centrale dans l'œuvre de Maître Eckhart, donc au mystère de Noël, hein, qui n'est pas séparable de celui de Pâques, bien sûr, et qui, pour moi, met le corps au centre de cette pensée, contrairement à tout ce qu'on aurait pu dire sur Maître Eckhart. Je pense qu'il y a une véritable réflexion sur le corps chez lui. Si l'on fait une lecture en creux des sermons latins, des sermons allemands, mais aussi de tous les commentaires qu'il a pu faire, les commentaires de la sagesse... Est-ce que ce n'est pas le problème avec lui? C'est qu'on reconnaît surtout les sermons allemands, et que finalement, tout ce qu'il a dit en latin à l'Université de Paris, dans laquelle il a été très longtemps... On l'ignore quasi complètement. Oui, alors ça, c'est vraiment un défaut qu'on fait avec beaucoup d'auteurs, où on arrive à finalement tronquer l'œuvre et à ne voir les auteurs qu'à partir finalement d'une toute petite partie de leurs écrits, ce qui ne donne pas une perspective synoptique, c'est-à-dire qui ne permet pas d'appréhender réellement une pensée, mais qui arrête en quelque sorte dans un temps ou dans un moment de l'histoire de la vie de la pensée de l'auteur quelque chose, et après on forge une croyance à partir de ce petit quelque chose qu'on croit être la pensée, mais qui finalement n'est qu'une étape dans le souffle même d'une pensée, parce que c'est dans l'unité, dans le souffle, dans l'élan intérieur de la constitution de la pensée qu'il faudrait appréhender un auteur, et a fortiori Maître Eckhart, qui n'est en France connu qu'à la lumière de ses sermons allemands. Alors, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de travaux, hein, aujourd'hui mis en place, qui ont ouvert les perspectives, qui ont donné finalement à découvrir les sermons latins de Maître Eckhart et aussi les commentaires. Donc on redécouvre un nouveau Maître Eckhart que celui auquel on avait accès par exemple dans les années 80 du siècle dernier, ou voire pire encore dans les années 50-60. Et c'est vrai que c'est important, hein, ce que vous dites, Michel, d'appréhender un auteur dans l'unité de sa pensée et pas de ne le voir que par le petit bout de la lorgnette en tronquant son œuvre ou encore en extrayant des citations d'une œuvre traduite en plus. Et ça pose un problème parce que même les sermons allemands, on dit que ce sont des reportationnelles, c'est-à-dire des notes prises par les moniales au cours de ses nombreuses prédications de part et d'autre du Rhin, hein, et justement quand il était en charge pendant ses 10 années à Strasbourg, la Cura Monialum. Et donc c'est très problématique parce qu'on n'a pas l'authenticité de tous ces textes. Et c'est vrai que la première partie de la vie d'Eckhart, quand il était Lisemeister, maître en écriture, c'est une partie décisive pour le comprendre, et notamment aussi tous ses commentaires de la Bible, livre Sapientio et Évangile compris. C'est aussi, il faut aussi dire que une partie de l'œuvre d'Eckhart a été perdue. On n'a pas toute l'œuvre, hein. Une partie de l'œuvre des questions a complètement disparu. Donc c'est déjà une œuvre qui nous est parvenue aujourd'hui de façon parcellaire. Donc il est important d'essayer de traduire ce qui n'a pas été traduit du latin, hein, pas dans des commentaires, puisque les sermons étaient traduits, hein, et de pouvoir donner d'autres, enfin un visage plus complet de Maître Eckhart. Thank you.
Raviolo, je sais bien qu'Eckhart ne parle jamais directement de son expérience personnelle, du moins dans les écrits qui nous sont parvenus, puisque, comme vous venez de le dire, ils ne nous sont pas tous parvenus. Néanmoins, on le considère généralement comme un mystique, au moins autant qu'un théologien spéculatif, ce qui m'amène à la question de savoir, enfin, pour autant qu'on puisse savoir, quelle est la nature de son expérience spirituelle profonde. Parce que lorsqu'on parle de mystique chrétienne, souvent l'une des premières images qui nous vient, c'est la statue du Bernin. On imagine Thérèse d'Avila vivant des extases absolument renversantes, avec des visions accompagnées de grandes jouissances et de grandes souffrances éventuellement. J'ai quand même le sentiment qu'avec Eckhart, ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, votre question conduit à interroger le sens même du mot mystique. Qu'est-ce qu'on met derrière ce terme ? Est-ce que c'est un terme rustine qui va nous permettre de dire tout et n'importe quoi au sens d'une expérience de fusion, de communion, d'inspiration, de révélation, de miracle ? Qu'est-ce que c'est que la mystique ? C'est une question difficile hein, qui nous amène à interroger ici une œuvre, la vie d'un homme qui est resté extrêmement discret hein, sur ce qu'il a vécu. Déjà, ça c'est un premier point que vous avez bien sûr évoqué, et c'est capital de le dire, il n'a rien raconté de lui. Et si parfois on suppose qu'à travers le sermon 71, quand il rapporte l'épisode de saint Paul sur le chemin de Damas, il parle de sa propre expérience, hein. Saint Paul étant tombé de son cheval, devenu aveugle, il vit le néant, et ce néant était Dieu, et il devint gros, de Dieu comme on est gros d'un enfant, hein, je cite le sermon, rien n'est sûr, hein, c'est une supposition ou une interprétation. Alors, bien sûr, on parle de mystique concernant Maître Eckhart. Hein. Il y a toute une école qui dit que Maître Eckhart est avant tout un mystique, même s'il est aussi un prédicateur, un théologien et un philosophe. Ce terme mystique revient dans l'appellation d'un courant, la mystique rhénane. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on pourrait dire, mais c'est une approche, une tentative de réponse, ce n'est pas une vérité. Hein, moi je n'ai pas la prétention de dire ce qu'est la mystique et de la définir exactement, parce que c'est toujours, si vous voulez, des limites qui sont plus ou moins étendues, revisitées selon les époques, les sensibilités aussi relatives à une époque. Et les interprétations des commentateurs. Donc ici, moi je dirais que un mystique, c'est d'abord un homme, une femme, qui tente de vivre un rapport intime à Dieu, et qui s'y dispose, qui s'y prédispose, donc qui n'est pas, si vous voulez, dans des envolées lyriques, ou encore moins dans des extases délirantes, quoi, parce que c'est d'abord un homme de chair et d'os, c'est-à-dire un corps et un esprit qui tentent de vivre ensemble dans l'unité. Et donc être mystique, c'est pas se couper de cette réalité incarnée, mortelle, charnelle. Au contraire, c'est la vivre autrement, depuis un autre point de vue. Moi, je qualifierais l'état mystique comme un état de vie intérieure qui relève davantage d'une exigence, qui m'incombe et que je ressens en tant que telle comme exigence de vie et qui appelle ma liberté. Donc la vie mystique, ce serait en quelque sorte la vocation de tout homme, si je puis dire. Tout homme a à vivre une vie mystique, c'est-à-dire à revenir à cette origine profonde de lui-même, à cet homme intérieur, quelles que soient les voies, finalement. Bon, la voie d'Eckhart, c'est une voie de mystique chrétienne, on est d'accord, mais il y a plein d'autres voies possibles pour communier à cette source, à cette origine, à ce point intérieur où l'on est finalement voilà, dans une réconciliation avec soi et avec la vie. C'est-à-dire que souvent, quand on pense à la mystique, on pense à une dilatation du cœur. Et souvent, les commentateurs parlent de mystique spéculative pour parler de Maître Eckhart. Mais est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'ils considéraient que l'intellect était supérieur à la volonté, la volonté qui est liée à l'amour, je veux dire.
Oui, c'est vrai, c'est une question qui rejoint le contexte, la querelle entre dominicains et franciscains de l'époque de Maître Eckhart. Donc c'est contextualisé tout ça. Aujourd'hui, justement, ça a un autre impact, ça a d'autres sources, mais à l'époque d'Eckhart, il y avait une vraie dissociation à l'Université de Paris, notamment, hein, entre les franciscains et les dominicains, entre cette mystique qui appelle la volonté, l'autre qui appelle plus l'intellect. Mais n'est-ce pas finalement une affaire de langage, une affaire de querelle de clocher, si je puis dire, une question qui ne touche pas réellement au fond, pour moi, de la véritable notion de mystique et de ce que cela peut incomber à l'homme de vivre une vie mystique. Parce que la volonté comme l'intellect sont ici en jeu. Je vois pas en quoi on pourrait les couper et qu'est-ce qui pourrait les séparer. Même si à l'époque, il y avait des arguments pour, hein, puisque voilà, on se situait davantage dans l'école dominicaine du côté de la réflexion, du verbe, de l'intelligence, et du côté franciscain, dans la volonté, le cœur, la charité. C'est pas des choses qui sont cloisonnées, hein, selon moi, voilà. Guillaume de Saint-Thierry disait que l'intellect et la volonté sont les deux yeux de l'âme. Mais néanmoins, en fait, cette question d'intellect, c'est quand même un terme qui a fait un certain remue-ménage, il me semble, au Moyen-Âge, aussi bien chez les chrétiens que chez les juifs et les arabes. Et il me semble néanmoins quand même que chez Maître Eckhart, c'est un terme important, l'intellect divin. C'est un terme important, bien sûr. Et c'est un terme important. Disons, qu'est-ce qu'il entend par intellect? Voilà, c'est un petit peu la question que je voulais vous poser. Oui, c'est un mot par rapport auquel Eckhart va changer pas de point de vue, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il va questionner sans cesse ce mot. Il ne donnera pas une définition pure et simple à un moment donné de son œuvre. Il va sans cesse l'interroger, et ce mot est vraiment en lien avec une notion centrale dans sa pensée, qui est celle de l'étincelle de l'âme. C'est-à-dire que quand il dit qu'effectivement, l'intellect est la partie la plus noble de l'homme, car par l'intellect, l'homme est réellement à l'image et à la ressemblance de Dieu, donc l'intellect est au cœur de son exégèse de Genèse 1:26. Il interroge parfois cet intellect et dit non, l'homme doit dépasser l'intellect même, c'est-à-dire sortir finalement de cette perception intellectuelle, de cette approche seulement intellective, pour parvenir au-delà même des concepts et jusqu'à ce qu'on pourrait justement appeler l'expérience mystique. Donc l'intellect, le chemin noétique vers Dieu serait en quelque sorte excédé par une phénoménologie, chez Maître Eckhart, l'expérience d'une approche de Dieu qui inviterait à vivre l'identité du sujet l'identité du sujet dans un décentrement de soi, donc justement dans un dépassement du sujet intellectuel lui-même vers une expérience de la naissance de Dieu dans l'âme. Voilà. Oui, mais alors, c'est la question que j'aimerais vous poser. Est-ce que nous ne devons pas trop oublier la différence dans la vieille philosophie entre intellectus, l'intellect, et ratio, la raison? C'est-à-dire, est-ce que nous ne rabattons pas un peu trop l'intellect sur la pure raison instrumentale? Et en même temps, ce que je me demande, c'est si le terme mystique, on ne devrait pas le ramener à son étymologie, le verbe grec muein, qui signifie tenir la bouche fermée, autant je me rappelle. C'est-à-dire que l'expérience mystique serait une expérience de l'inconnaissable, de l'irreprésentable, de ce qui dépasse précisément toute explication que nous pouvons nous donner. Et là-dessus, je rappelle quand même Sainte Thérèse d'Avila, puisqu'elle a été citée, même dans ses extases, Sainte Thérèse d'Avila qui dit dans son autobiographie, il y a une manière d'être au réfectoire et d'éplucher les légumes dans laquelle je suis aussi près de Dieu que durant mes extases. Tout à fait. Et ça, on l'oublie beaucoup. Oui. On voit un peu trop la statue du Bernin, précisément. Est-ce qu'il nous amène au sermon aussi, concernant Marthe et Marie, qui est très important. Oui, le sermon 86, le sermon allemand, tout à fait, effectivement, la maturité du fond de l'être de Marthe rejoint ce que Michel vient de dire, c'est-à-dire, concernant les écrits de Sainte Thérèse d'Avila, être
auprès de Dieu, alors même qu'on travaille. C'est-à-dire, ce qui caractérise Marthe, ce n'est pas d'être dans le souci, mais d'être avec le souci, c'est-à-dire de ne pas pouvoir ne pas s'attacher à ce qu'elle fait, mais de pouvoir le faire depuis, finalement, l'homme intérieur en elle. C'est-à-dire, en agissant comme si elle n'agissait pas. Et c'est tout à fait ce que vous disiez au sujet de la connaissance. Connaître comme si on ne connaissait pas. Donc c'est une docte ignorance en réalité. Hein. C'est une figure de l'oxymore, puisque Maître Eckhart se situe constamment sur ce langage de l'oxymore, hein, du paradoxe, parfois même de l'hyperbole, ou des figures de style qui essaient de traduire une expérience dépassant les limites de la ratio et dépassant le champ du connaissable, pour dire, comme Pascal le dira plus tard, que l'homme passe infiniment l'homme, c'est-à-dire que finalement se situer depuis le cœur, depuis cette région intime de l'être, l'étincelle de l'âme, ou encore l'intellect au sens d'un intellect dépassé, d'une docte ignorance, hein, et c'est justement parvenir à vivre dans le monde sans être du monde, parvenir à travailler dans le monde, à être un homme au milieu des autres, incarné, mortel, fini, à vivre cette fragilité humaine, tout en s'ancrant dans une foi vive, une foi qui porte l'espérance et la charité, c'est-à-dire qui donne à agir, à être fécond dans le temps, sans sortir comme ça dans des délires qui nous feraient échapper à notre condition humaine. C'est pas du tout ça. Hein. Mais c'est là, justement, je me demande si nous ne sommes pas extrêmement proches de Saint Paul. Puisque je me rappelle, c'est Saint Paul qui déclarait « Nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans ce monde. » Autrement dit, nous ne sommes pas d'ici, mais en même temps, nous devons habiter ici. Oui. Complètement. Oui. Et en même temps, si je me rappelle bien, dans une des épîtres, Saint Paul déclare que si nous n'avons pas la charité, nous ne sommes rien. Et est-ce que ce n'est pas extrêmement proche d'Eckhart ? C'est extrêmement proche d'Eckhart. Je pense qu'Eckhart, vous le dites très bien, hein, et reste vraiment très paulinien dans sa manière de vivre son christianisme. L'homme intérieur, l'homme extérieur, le vieil homme, l'homme nouveau, hein, c'est ce qu'il reprend dans son traité sur l'homme noble. Et la perspective à laquelle vous faites allusion, hein, qui est effectivement très paulinienne, vivre de la charité, car si je n'ai pas la charité, je suis comme une cymbale qui résonne, je pourrais parler toutes les langues du monde, être l'homme le plus sage. La foi et l'espérance, voilà. Je n'ai rien. Je n'ai rien si je n'ai pas la charité. Et c'est vrai que souvent, par ces visages qu'on donne à lire des cartes, mystiques, spéculatifs, intellects, grands prédicateurs, théologiens, etc., on oublie que l'amour est l'amour au sens d'agapé, hein, tel que nous envisageons la charité. Veut dire amour. On l'avait oublié. Un amour agissant. Un amour agissant, un amour fécond, un amour tourné vers les autres et enraciné dans la source divine, c'est-à-dire un amour désintéressé. Pour autant que cela soit possible à un homme, mais sans la grâce, rien n'est possible pour cet amour-là, eh bien, c'est une notion absolument centrale chez lui, d'où la figure, hein, de Marthe, puisque Marthe est une femme amoureuse de Dieu, c'est une femme au service des autres, elle est dans le service, et la figure centrale des sermons 55 et 55 bis de Marie-Madeleine, hein. Vraiment une figure capitale chez Maître Eckhart. Il y a trois figures comme ça qui sont les phares de son œuvre, hein, Saint Paul, Marthe et Marie-Madeleine. Marthe dit alors, « Seigneur, ordonne-lui de m'aider. » Cela, Marthe ne le dit pas par contrariété, plutôt elle le dit par une bienveillance qui la pressait. Elle voyait que Marie était possédée par la délectation selon toute la satisfaction de son âme. Marthe connaissait Marie mieux que Marie connaissait Marthe, car elle avait déjà vécu longtemps et bien. Car c'est la vie qui confère la connaissance la plus noble. La vie connaît mieux que délectation ou lumière tout ce qu'en ce corps l'on peut atteindre au-dessus de Dieu. Et d'une certaine manière,
la vie connaît de façon plus limpide que ce que pourrait donner la lumière éternelle. Pourquoi nomma-t-il Marthe par deux fois? Il voulait dire que tout ce qui était bien temporel et éternel, et que devait posséder la créature, cela Marthe l'avait pleinement. La première fois qu'il dit Marthe, il attestait sa perfection en œuvre temporelle. L'autre fois qu'il dit Marthe, il attestait que tout ce qui est requis pour la béatitude éternelle, rien de cela ne lui manquait. C'est pourquoi il dit « Tu te soucies ». Et il voulait dire « Tu te tiens auprès des choses, et les choses ne sont pas en toi ». Et ceux-là se tiennent en souci, qui se tiennent sans entrave en toute leur entreprise. Ceux-là se tiennent sans entrave, qui orientent toute leur œuvre de façon ordonnée selon l'image de la lumière éternelle. Et ces gens se tiennent près des choses, et non dans les choses. Ils se tiennent très près, et non pas moins que s'ils se tenaient là-haut, aux confins de l'éternité. Dans l'image Marthe-Marie et le renversement axiologique qu'il fait vivre à son exégèse, l'évangile de Luc, puisque Marthe et Marie interviennent dans cet évangile, ça rejoint plutôt chez lui ce qu'il entend justement par la vie mystique, c'est-à-dire que l'âme est celle qui va recevoir l'enfant, le Verbe de Dieu, et donc il va le porter. Et il appelle souvent l'âme de deux états. Ça rejoint le sermon allemand de à la fois l'âme est vierge, et en même temps, vierge ne suffit pas, parce que la Vierge accueille seulement, parce qu'elle doit faire place vide pour accueillir Dieu. Et pour être véritablement féconde, elle doit devenir femme. Et cette féminité, hein, c'est très intéressant sous la plume des cartes, parce que justement, on dit qu'au Moyen-Âge, il y a un véritable mépris du corps. Or, on trouve dans les textes de Maître Eckhart, mais aussi dans les textes des Béguines, a fortiori dans ces textes, une vraie présence du corps. Donc une vraie présence du corps qui est très ambiguë, très ambivalente, parce que il y a tout à la fois un mépris et en même temps une vie qui passe essentiellement par le corps, une vie, une phénoménologie, on pourrait dire, c'est-à-dire une épreuve de Dieu qui se fait de façon incarnée. Et l'incarnation ici, c'est de dire que l'âme, elle est femme. Donc la féminité renvoie vraiment à la corporéité. Et cette corporéité, rejointe par la métaphore de l'enfantement, elle n'est plus finalement... Elle est éloignée déjà de la maïotique socratique où finalement Socrate dit « De même que ma mère accouche les corps, moi j'accouche les esprits, j'accouche pas les corps. » La femme, elle est au gynécée. Moi, j'accouche les esprits. C'est ça, la maïotique. Or, en fait, Maître Eckhart, là, il arrive... Mais c'est justement ce que je disais tout à l'heure, le lien névralgique, la christologie. Il arrive, parce que c'est une mystique chrétienne, à donner au corps toute sa place et donc à faire de la vie mystique une vie aussi bien corporelle, charnelle, que spirituelle. Et d'ailleurs, c'est pas séparé. Il n'y a pas de dichotomie, si vous voulez, mais c'est une manière de réinterpréter le corps. Certes, il y a un corps qui cloue l'âme, il y a un corps qui empêche, il y a un corps qui fascine et qui sclérose toute vie spirituelle, mais il y a un corps aussi qui anime l'homme et qui l'ouvre, et ce corps, c'est le corps de l'homme nouveau, de l'homme intérieur. L'homme intérieur a un corps, et ce corps, c'est une matrice, justement, très féminin, hein, qui accueille le Verbe et qui l'enfante. Mais est-ce que ce n'est pas la différence que faisait saint Paul entre le corps terrestre et le corps céleste? Le corps céleste qui étant, pour aller vite, disons, le corps glorieux, ouais. Le corps que nous avons abandonné au début de l'humanité et que nous devons retrouver. Alors là, j'y pensais pas, mais c'est vrai que saint Paul le dit dans l'épître aux Corinthiens, la seconde épître, et quand il en parle, il le promet. C'est-à-dire que ce que fait Maître Eckhart, lui, c'est de revisiter ce passage de l'épître pour en faire une réalité ici et maintenant.
Et c'est ça toute l'originalité de Maître Eckhart, hein, au XIVe siècle. Et c'est pour ça qu'on parle d'apogée du christianisme. C'est parce que Maître Eckhart, finalement, donne à la vie actuelle de l'homme de vivre de sa vie promise. C'est-à-dire que c'est pas pour après, c'est pas dans le futur que ça va se vivre. C'est ici et maintenant. Que ce n'est pas cela, la mystique proprement dite. Vraiment. C'est ce qui fait aussi. C'est la question que je me pose. Je pense, oui. Et c'est peut-être aussi cela qui fait que beaucoup de personnes à l'heure actuelle s'intéressent à Maître Eckhart, puisqu'il oui. promet une béatitude pour ici et maintenant. Oui, et je pense aussi que c'est une. Ces paroles sont des paroles qui se font très proches des gens d'aujourd'hui, qui sont en recherche, hein, comme les gens de toutes les époques, finalement, c'est propre de l'homme, et aussi parlent à l'homme tel qu'il est. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, si vous voulez, chez Eckhart, un ascétisme morbide. Il y a au contraire une vraie jouissance de l'être, corps et âme, pourrait dire, hein, qui est pour ici et maintenant. Hic et nunc, c'est pas voilà, dans un futur, c'est pas quelque chose pour après. C'est là et maintenant qu'on est appelé. Et la vie d'aujourd'hui, elle est à l'image de la vie future, finalement. C'est l'instant c'est d'éternité. Où je me demande, est-ce que Eckhart ne retrouve pas les intuitions fondamentales du paléo-christianisme. Autrement dit, est-ce que finalement le salut, ce n'est pas pour tout de suite ? Mais oui, bien sûr. Mais oui, oui, c'est vraiment le cœur de l'œuvre d'Eckhart, ça. Tout à fait. De ce que disent les maîtres, que seules les choses égales sont capables d'union, il suit qu'il faut que soit intact, vierge, l'être humain qui doit accueillir Jésus virginal. Mais si l'être humain était vierge pour toujours, aucun fruit ne proviendrait de lui. Doit-il devenir fécond, il lui faut de nécessité être une femme. Femme est le mot le plus noble que l'on peut attribuer à l'âme, et est bien plus noble que vierge. Que l'être humain reçoive Dieu en lui, c'est bien, et dans cette réceptivité il est intact. Mais que Dieu devienne fécond en lui, c'est mieux. Car la fécondité du don est la seule gratitude pour le don, et l'esprit est une femme dans la gratitude qui engendre en retour, là où pour Dieu, il engendre Jésus en retour dans le cœur paternel. Bien des dons de prix sont reçus dans la virginité sans être engendrés en retour dans la fécondité de la femme, avec louange de gratitude en Dieu. Ces dons se gâtent et vont tous au néant, en sorte que l'être humain n'en devient jamais plus heureux ni meilleur. Alors sa virginité ne lui sert de rien, parce qu'à la virginité, il n'adjoint pas d'être une femme en toute fécondité. C'est là que gît le dommage. C'est pourquoi j'ai dit, Jésus monta un petit château fort et fut reçu par une vierge qui était une femme. Michel Cazenave, Jung se réfère à Maître Eckhart en particulier au début des années 20 dans ses types psychologiques où il fait un long développement concernant le sermon 52 dans lequel on trouve le fameux « Je prie Dieu de me libérer de Dieu », expression qui a fait couler beaucoup d'encre. Comment est-ce que Jung comprend cette expression de Maître Eckhart « Je prie Dieu de me libérer de Dieu » ? Non mais d'abord il faut bien voir que Jung n'avait accès, c'était l'époque, qu'aux sermons allemands. Et que donc aujourd'hui, on peut le voir un petit peu différemment. Mais en même temps, on voit très bien comment, tel que Jung le comprend, il y a l'idée que Dieu est strictement inconnaissable. Là-dessus, il est extrêmement proche de Saint-Grégoire de Nice et du pseudo-Denis. Bon, et je pense que Eckhart dit en gros la même chose.
Et en même temps, il y a la différence entre, je vais reprendre les termes utilisés, entre la deitas et le deus revelatus. Autrement dit, la déité, la divinité retraite dans son abîme d'une manière, et comme là, il demeure inconnaissable en tant que tel, comment il se manifeste. Et donc, c'est beaucoup plus, je demande au Dieu manifesté de me désencombrer de manière que je puisse retrouver le Dieu de l'abîme. C'est quelque chose qui n'a pas toujours été très très bien compris, je sais bien. Mais si les gens lisaient un peu plus ces cartes, parce que ça m'est souvent arrivé de le constater. Jung l'a dit, donc c'est vrai. Parce que je me rappelle à la fin du Mysterium, où Jung dit, et pour ce qui est des rapports de l'âme singulière à l'âme universelle, à ce que dans l'ancien temps on appelait l'anima mundi, l'âme du monde, il disait, Plotin dans sa quatrième Énéade, c'est le traité 8 ou 9, je me rappelle bien, le traité 8, on a déjà parlé, je n'ai rien à ajouter. Et combien de fois ça m'est arrivé de dire, donc vous avez lu Plotin? Ah ben non, du moment que Jung l'a dit. Je dirais, lorsque Jung parle de Maître Eckhart, c'est peut-être intéressant de revenir voir ce que disait réellement Maître Eckhart. Mais enfin, bon, je pense qu'en gros, Jung voulait dire ça. Il me semble que pour lui, l'âme unifiée qui forme une totalité, une Ganzheit hein, en allemand, et non pas une totalité. Une entièreté. Voilà, une entièreté, oui. Ouais. Elle ne peut advenir à la conscience que sous la forme d'une imago dei, c'est-à-dire d'une image de Dieu. Et cette image de Dieu qui serait, me semble-t-il, finalement le Deus Revelatus, ou le Gott de Maître Eckhart, et non pas le Deus Absconditus. C'est à cela que cela réfère. Il ne faut pas oublier que Jung était quand même fils de pasteur, et donc extrêmement chrétien. Quoi qu'il en ait voulu, mais en même temps, il s'est toujours réclamé du christianisme. Donc effectivement, le travail ne peut se faire que par, il le dit souvent, par la grâce de Dieu. De sa manière. Mais en même temps, il a toujours tenu ce qu'il dit dans la Genèse, à savoir que l'homme est à la ressemblance et à l'image de Dieu. Et donc là, il reprend beaucoup de termes de la théologie, comme quoi le Christ est l'image du Père, le Père incréé, évidemment, le Père dans son abîme, Dieu dans son abîme, et où donc ce à quoi aboutit l'homme, ce n'est jamais que d'être. Même par grâce, ce n'est jamais que d'être à la ressemblance et à l'image de Dieu. Précisément. Mais ça, ne l'oublions pas. Alors, certains commentateurs en fait, de Jung vont jusqu'à parler de psychologie apophatique le concernant. Qu'est-ce que signifie ce terme? Ben, j'en ai parlé moi-même, effectivement. Mais en même temps, cela veut dire clairement que la psychologie de Jung, et généralement elle n'est pas comprise comme ça, est une psychologie négative. Autrement dit, ça s'appuie tout le temps sur un inconnaissable. Ça reconnaît de l'inconnaissable. Et c'est la manière dont nous faisons parler, nous faisons intervenir l'inconnaissable en nous. Parce que l'inconnaissable, par définition, ne peut jamais se dire, il ne peut que se vivre. Il ne peut que s'éprouver. Il peut s'éprouver dans le détachement de soi-même, dans le dévoilement de ce qui est au-delà de tout mot et de toute image. Et c'est là précisément quelque chose qu'on oublie toujours chez Jung, c'est qu'il croit beaucoup à l'image, mais l'image dévoile quelque chose de l'inconnaissable, mais en même temps, par définition, si le connaissable se donne à être connu, il n'est plus inconnaissable. Donc l'image dévoile et en même temps elle voile. Je sais bien, c'est un petit peu compliqué, mais il faut toujours avoir ce double mouvement. Comme je comprends Jung, l'image est un aspect psychique, alors que l'abîme inconnaissable est un aspect métaphysique. Oui. Qui sont liés, mais... En même temps, c'est ce que je rappelle toujours. Et c'est là où je suis en désaccord profond avec notre époque. Autrement dit, notre époque est l'époque du psychospirituel. Et je mettrai le psychospirituel en un seul mot. Alors que moi, j'aurais tendance à l'écrire avec un trait d'union entre psycho et spirituel. Autrement dit, la psychologie et la spiritualité, ce n'est pas exactement la même chose. Une vraie psychologie, me semble-t-il, ouvre à la spiritualité, mais il y a un moment où on doit passer le pas. Et non, mais ce que Jung dit souvent à propos de ce qu'il a appelé l'inconscient collectif, ou de ce qu'il dit des archétypes, autrement dit, c'est bien au-delà de notre psychisme. Il y a une partie qui existe en elle-même, qui certainement est métaphysique. Alors, je pense que la psychologie n'aide pas à se débarrasser de la métaphysique.
très loin de là. Il n'y a de psychologie que s'il y a une métaphysique. Et c'est cela qui est clairement mis en avant. Commentant le passage de la conversion de Paul dans les Actes des Apôtres, dans son sermon 71, Maître Eckhart dit « Paul fut relevé de terre et ses yeux ayant été ouverts, il vit rien. Il vit le néant et ce néant était Dieu. » Alors ça peut sembler quand même assez scandaleux. On est là au cœur de la théologie négative où Dieu lui-même se confond avec le néant. Mais qu'est-ce que ce néant, Isabelle Raviolo? De quoi parle-t-on? Alors, de quoi parle-t-on? De quoi parle Maître Eckhart quand il parle du néant dans le sermon 71, ou dans d'autres sermons d'ailleurs, hein, le terme allemand est nit, moyenno-allemand d'ailleurs. Moi je pense qu'il fait référence à la transcendance divine. Je pense qu'il fait référence au Deus absconditus, au Dieu caché, c'est-à-dire finalement... Deus absconditus, on pense à Pascal, mais il ne peut pas bien sûr y faire référence. Ce que je veux dire, c'est que par-delà les rapports, si vous voulez, il est clair qu'ici, le néant, c'est la lumière suressentielle de Dieu. Là, on rejoint le pseudo-Denis. C'est-à-dire que c'est une lumière tellement lumineuse qu'elle est invisible à l'homme. Et qu'elle relève finalement non plus du champ du visible, non plus du champ de l'intellect, non plus du domaine de la croyance, mais d'une épreuve qui serait de l'ordre finalement d'une expérience de l'expérience d'un excès. C'est-à-dire que ce néant, c'est l'épreuve même du Dieu innommable, du Dieu que l'on ne peut nommer, que l'on ne peut connaître, mais que l'on ne peut éprouver que par l'expérience d'un renversement. Paul fut relevé de terre, mais ce n'est pas lui qui se releva de terre, il fut relevé par grâce, et les yeux ouverts, il vit le néant. Mais ses yeux se sont ouverts, hein, comme les yeux de Thomas quand ses yeux s'ouvrent et qu'il reconnaît le Christ, ses yeux s'ouvrent après avoir été aveuglé. Donc il y a l'épreuve d'un aveuglement, l'épreuve négative d'une mort, l'épreuve négative d'une mort au vieil homme, renaître avec des yeux nouveaux, comme si par ses yeux, autre chose que les yeux étaient convoqués. C'est-à-dire comme si ce n'était plus seulement l'œil de chair, mais l'œil, véritablement œil du corps, mais œil du corps spirituel, hors du œil du corps glorieux dont Michel parlait tout à l'heure, c'est-à-dire un œil nouveau, un homme nouveau, une expérience métaphysique, qui passe par le corps et l'âme et qui redonne à l'homme un autre point de vue par un décentrement de lui-même. C'est plus l'ego qui voit, c'est plus l'œil des croyances, mais c'est justement l'œil croyant. Et c'est plus justement mes croyances qui me font voir quelque chose, mais c'est parce que je crois, c'est-à-dire que c'est un jeu qui n'est plus le jeu renvoyant à l'ego, mais un jeu transcendé, un jeu qui voit le néant, et ce néant était Dieu, c'est-à-dire qui ne dit plus que Dieu est ceci et cela, mais qui accueille l'expérience de Dieu comme une relation intérieure.
Paul se releva de terre et les yeux ouverts, il ne vit rien. Je ne saurais voir ce qui est un. Il ne vit rien, c'était Dieu. Dieu est un néant et Dieu est un quelque chose. Ce qui est quelque chose, cela est aussi néant. Ce qu'est Dieu, il l'est pleinement. C'est pourquoi Denis le Lumineux dit, lorsqu'il écrit sur Dieu, « Il est par-delà être, par-delà vie, par-delà lumière. Il ne lui attribue ni ceci ni cela. Et il veut dire qu'il est on ne sait quoi qui est très loin par-delà. Un tel voit-il quelque chose ou quelque chose tombe-t-il dans ta connaissance? Ce n'est pas Dieu. Ce ne l'est pas pour la raison qu'il n'est ni ceci ni cela. Celui qui dit que Dieu est ici ou là, celui-là ne le croyez pas. La lumière que Dieu est, elle brille dans les ténèbres. Dieu est une vraie lumière. Celui qui doit la voir, il lui faut être aveugle et il lui faut tenir Dieu à l'écart de tout quelque chose. » Et il dit quelque part, l'œil au travers duquel je vois Dieu est l'œil à travers lequel Dieu me voit. Oui, c'est le sermon 10, tout à fait. Alors, je vois... Ce sera repris par Angelus Nisius. Oui. Oui. L'un des grands élèves Descartes. Oui, exactement. Plus tard, effectivement, au XVIe siècle, par Angelus Nisius. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, Épître aux Galates. Et là, l'œil par lequel Dieu me voit est l'œil par lequel je vois Dieu. Donc il y a vraiment une unité. Une unité qui est qui pourrait aussi définir l'expérience mystique. Oui, bah alors cette unité quand même qui pose question et qui se fait dans ce que je pense il appelait l'incréé sur lequel vous avez beaucoup travaillé, puisque là ça voudrait dire qu'il y a une part dans l'homme qui est Dieu. Alors qu'est-ce que cet incréé dans l'âme? Alors il dit pas que c'est justement l'âme qui par nature est incréée. Donc, s'il y a en l'homme, en l'âme humaine, quelque chose qui relève de l'incréé, ce n'est pas le tout de l'âme. C'est quelque chose dans l'âme. Il dit bien dans l'âme. Il ne met pas le génitif. Hein, il met la préposition pour signifier un locatif. Et ce locatif, qui n'est pas un génitif subjectif, donne finalement à penser un rapport possible entre Dieu et l'homme qui ne soit plus de l'ordre d'une fusion, mais un rapport qui s'entende du point de vue d'une relation, d'un dialogue intérieur, et qui rend justement possible la mystique sans dérive possible, sans signifier que la mystique soit justement une sorte de fusion, un truc zen, où on s'envole, une extase. C'est justement parce que il y a quelque chose dans l'âme, et que l'âme est comme un point entre le temps et l'éternité, que la christologie, dans cette perspective de théologie chrétienne et de mystique chrétienne, est essentielle, puisque c'est le Christ qui fait le pont entre l'homme et Dieu, mais ce n'est pas l'homme qui va atteindre directement Dieu. Donc il y a finalement dans ce rapport à l'image véritable qu'est le Christ, qui me renvoie à l'image que je suis, image au sens non pas d'image incréée, mais créature à l'image de Dieu, donc il y aurait à entendre par ce terme d'incréé quelque chose de l'ordre plus d'un concret à tous, c'est-à-dire que l'homme est en lui-même et par lui-même quelque chose qui relève davantage d'une empreinte, si vous voulez, d'un être à l'image, mais qui n'est pas lui-même image de. Donc il a besoin de ce médiateur, si vous voulez. Et c'est ce médiateur qui va le conduire au Père. Ça, c'est vraiment l'apport très spécifique de la mystique chrétienne, si vous voulez. Et c'est là où j'aimerais ajouter qu'Isabelle Ravelo est chrétienne, et ça s'entend, alors que je ne suis absolument pas chrétien. Mais en même temps, ce qui est intéressant dans cette divinité, au moins en partie en nous, disons, c'est le fait que, de cette manière, il y a une transcendance qui est immanente, au moins en partie, à nos cœurs. Oui, tout à fait. Et il faut toujours parler par oxymore, d'une certaine manière. C'est-à-dire, quand on affirme quelque chose, il faut affirmer le contraire. La transcendance n'est pas une pure transcendance absolue, complètement coupée de nous, ou sinon, on retomberait sur le problème connu de la philosophie, comment connaître
l'inconnaissable, ça vénère, mais comment c'est à la fois transcendant et c'est en même temps en nous. Et donc nous avons à le découvrir en nous. Et j'aimerais bien revenir sur le thème de néant. Parce que finalement, ce thème de néant, est-ce que ça ne désigne pas le néant de notre parole, le néant de toute représentation que nous pouvons nous en faire, c'est-à-dire le néant de toute affirmation humaine, d'une certaine manière. Et en même temps, ça me fait penser à ce que signale Isabelle, c'est-à-dire à ce que disait quelqu'un comme le pseudonyme, lorsque, si je me rappelle bien, dans la théologie mystique, il parlait de néant suressentiel. Oui, oui, c'est vrai. Autrement, voulant pas dire que le néant n'existe pas. Évidemment, le néant existe à un autre sens que celui de notre existence mondaine, concrète, de sa manière. Ouais. Disons, le néant est, enfin, ou le néant n'est pas. Il est au-delà de l'être, de sa manière. Mais ce qui me fait penser à certaines interrogations que l'on trouve en Inde, par exemple, je pense au chevalisme du Cachemire, dans lequel souvent on se demande qui avait-il avant l'être et le non-être. Et c'est là qui est de l'ordre du néant, puisqu'on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire parce que si nous pouvions le dire, nous serions au-dessus de Dieu, d'une certaine manière. Nous pourrions définir Dieu. Et c'est là où, me semble-t-il, qu'il y aurait un tout petit problème. Mais en même temps, on voit très bien comment, et Saint Grégoire de Nyssa l'avait déjà dit, et dans les poèmes dogmatiques, quelqu'un comme Saint Grégoire de Nazianze, qui va être repris par le pseudonyme, autrement dit, de Dieu, je ne peux rien dire, je ne peux en parler que par négation. Et ce qui va être extraordinaire chez Maître Eckhart, c'est qu'il reprend, me semble-t-il, à Saint-Thomas d'Aquin, c'est que même la négation, on est obligé de la nier. C'est-à-dire que Dieu, il est néant, mais il n'est pas que néant. Donc il est quelque chose en même temps. Il est manifesté, précisément. Et le Christ a vécu dans notre vie à nous. Il y a un phénomène de double négation. Ben oui, non mais... Oui, exactement, comme Dieu. La négation de la négation. Exactement, oui, oui. C'est ça que l'on oublie souvent un petit peu. C'est-à-dire que Maître Eckhart n'est pas que le héros de la négation. Il est au-delà, justement. Oui, et là, en cela, il est très proche de Maïmonide. Je pense que Maïmonide a été vraiment une source capitale pour lui et qu'il a puisé énormément dans ses réflexions sur la négation négationniste dans le Guide des égarés. Alors, c'est vrai que par rapport à ce que vous disiez, Michel, j'entends le terme de... de conscience, comme si en l'homme il y avait une double conscience, une double pensée, la pensée du moi social, de l'homme extérieur, et puis cette pensée de l'homme intérieur qui lui donne conscience de quelque chose en lui, d'une part divine en lui. Et Maître Eckhart, dans le traité de l'homme noble, parle de semence divine. C'est intéressant l'idée de semence, parce que s'il dit que la semence de Dieu est en nous, il parle aussi du cultivateur. Et ce cultivateur, c'est tout l'homme. C'est-à-dire que c'est pas seulement l'homme intérieur, c'est l'homme intérieur qui englobe l'homme extérieur. C'est le subtil qui contient grossier en quelque sorte. Donc c'est si je vis comme Marthe depuis l'homme intérieur, je peux transformer l'homme extérieur, je peux lui donner un autre visage, mais l'homme extérieur n'est pas tué ou éradiqué ou ne disparaît pas. Hein. Sinon, il est transformé. Il est transformé. Mmh. Et alors là, il parle justement dans ce traité de l'homme noble de ce cultivateur, faisant appel ainsi à notre liberté d'homme. C'est-à-dire qu'on a cette semence, mais libre à nous de la cultiver ou de la laisser mourir en terre. Si elle avait un cultivateur bon et sage, dit-il dans ce même sermon, laborieux, elle prospérerait, cette semence, d'autant mieux, et s'élèverait vers Dieu, dont elle est la semence, et le fruit serait semblable à la nature de Dieu, si elle avait un bon cultivateur. La semence du poirier grandit pour devenir un poirier, la semence du noyer pour devenir noyer, la semence de Dieu pour devenir Dieu. En d'autres termes, si on accueillait vraiment de toute notre conscience cette semence, et qu'on y travaillait, qu'on la faisait fructifier comme on fait fructifier ses talents, eh bien, Eckhart dit, on deviendrait Dieu, semblable à Dieu. Semblable à Dieu. Mais si la bonne semence a un cultivateur insensé et mauvais, livrée, pousse, couvre et étouffe la bonne semence, en sorte qu'elle ne peut arriver à la lumière ni se développer. Donc c'est intéressant d'envisager ce visage-là d'Eckhart, qui est vraiment le visage d'un prédicateur, d'un homme
proche des gens et donc aussi d'un accompagnateur spirituel. Il vous dit pas voilà, c'est ça les grandes envolées, hein, l'union à Dieu. Il vous dit comment y arriver à cette union à Dieu. Il faut mettre les mains dans à la pâte, quoi, si je puis dire, et faire devenir, cultiver en soi cette semence pour que voilà puisse advenir la possibilité d'une vie spirituelle authentique. Mais en cela, dans cette place qu'il donne à l'homme et à sa liberté pour quelque part cultiver cette graine, est-ce qu'il n'est pas déjà proche de, enfin précurseur un petit peu de Pic de la Mirandole et de tout l'esprit de la Renaissance? Bien sûr, oui, Marcille Fissin aussi, bien sûr. Non, mais ce que je me demande en écoutant Isabelle Ravello, c'est si le terme de culture, on ne devrait pas le ramener à son étymologie, le verbe coléo en latin, qui veut dire aussi augmenter. C'est-à-dire comment l'homme s'augmente et en s'augmentant se découvre tel qu'il est. Augmenter, mais aussi le deuxième sens, hein, je pense, de ce verbe colérer en latin, c'est rendre un culte. Oui. Rendre un culte aussi. Donc il y a un lien avec la religion au sens de religare, ce qui me relie à quelque chose de plus grand que moi. Et cette semence qui est en moi, elle est finalement en moi en tant qu'être incarné, et en même temps me dépasse moi en tant qu'être incarné, et appelle finalement à vivre une transfiguration. Mais ce qui me gêne un tout petit peu, je vous le dis franchement, c'est l'étymologie par religare, qui est une étymologie qui a été inventée par Tertullien et ensuite par Lactance. C'est extraordinairement chrétien. Et si on en revient quand même à l'étymologie indo-européenne, la religio latine, disons, on voit très bien que c'est le scrupule, le fait de se poser des questions, de qu'est-ce que me veut quelque chose qui me dépasse complètement. Autrement dit, comment on se met en lien avec quelque chose en se posant à soi-même des questions et comment on se force à s'augmenter, comment on se force à grandir de cette manière. Oui. Alors, il est vrai que dans cette racine indo-européenne à laquelle vous faites allusion, se rappeler que religare, c'est du même passage sémantique que intelligere. Oui. Religion et l'intelligence, nous ne l'avons oublié, c'est quand même extrêmement parent, et c'est en même temps parent du logos grec. Bien sûr. Et évidemment, je rappelle l'évangile de Saint Jean, au début, le verbe était avec Dieu, etc. Au début était le verbe. Le logos, précisément. Et donc, cette racine à laquelle vous faites référence, Michel, il y a toute une exigence de l'interrogation, questionnement, qui ne coupe pas l'homme parce qu'il aurait la foi de son intelligence. Ça, c'est délirant, hein, d'avoir créé cette séparation. Un homme de foi, c'est pas un homme qui s'arrête de penser, au contraire. Je pense que là... Il n'arrête pas de penser. Oui. Et là est toute la question, je crois, du désir. Qu'est-ce que s'orienter dans son désir? Comme on pourrait se demander, qu'est-ce que s'orienter dans la pensée? C'est-à-dire, comment finalement orienter l'intelligence de telle sorte que le sujet soit véritablement acteur de son désir et non pas soumis à des désirs ou à des croyances, et en même temps qu'en étant acteur de ce désir, il accepte finalement de vivre l'expérience d'un dépassement de lui-même et lâche prise avec cette maîtrise et parviennent à vivre une expérience de rencontre. Je pense que ce mot est très important. Puisque je fais un tout petit peu de philologie, je vais continuer, à condition de se rappeler que le désir vient du latin « desiderium », c'est-à-dire la manière dont on a perdu son étoile, et la manière dont on recherche précisément l'étoile perdue, qui est Dieu, de cette manière. Oui, voilà. Oui. Voilà. Oui. Thank you.
relation pour Eckhart y a-t-il entre l'abîme du divin, la Gottheit, la Deitas, et le Deus Revelatus, le Dieu révélé? Est-ce qu'il y a une relation, je dirais, est-ce que c'est une relation simplement d'identité, une relation dialectique? Est-ce qu'il y a une hiérarchie? Est-ce que ce sont différents niveaux de réalité? Enfin, alors, est-ce qu'il y a une dialectique? Est-ce qu'il y a une hiérarchie? Est-ce que ce sont différents niveaux de réalité? Alors, je ne dirais pas déjà qu'il y a une hiérarchie. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu, mais envisagé depuis deux points de vue différents, on va dire. Je m'explique. Si l'on prend le Goth, donc le Dieu révélé, Deus dans l'œuvre latine, on envisage Dieu dans ses manifestations trinitaires. La mission du Père, la mission du Fils, la mission de l'Esprit Saint. Non, bonne théologie chrétienne et trinitaire. La mission de chaque personne divine dans la spécificité propre de chaque personne divine. Bien. Par exemple, les dons de l'Esprit-Saint, à la Pentecôte. Si l'on envisage la Gottheit, donc la Deitas, donc finalement la divinité même de Dieu, on entend finalement la Trinité en son fond, et non plus la Trinité telle qu'elle se manifeste dans le temps. La Trinité en son fond n'est pas différente de la Trinité telle qu'elle se manifeste dans le temps, mais si vous voulez, ce serait comme la chambre secrète, le repli, l'intériorité même, la partie cachée de l'iceberg. La partie cachée de l'iceberg, c'est toujours l'iceberg. Bon, nous, on ne la voit pas, si vous voulez. Elle est inconnue, innommable, inconnaissable. Enfin, vous voyez, elle relève de ce fameux néant dont nous parlions tout à l'heure. Autrement dit, ici, on rejoint le symbole du quicumque du pseudo-Athanase, c'est-à-dire la consubstantialité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la nature incréée du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont une nature identique. Hein, ils sont tous trois incréés. En revanche, tels qu'ils se manifestent, ils n'ont pas la même mission auprès des hommes. Donc cette Deitas ou Gottheit en allemand, en moyen allemand, c'est la réalité intradivine, la réalité du Dieu caché, la chambre secrète du Père, là où le Père engendre éternellement son Fils en son sein. Hein, dit Maître Eckhart au début du commentaire de la Genèse, c'est-à-dire finalement l'implication de l'explication, l'implication au sens où Dieu ici est un Dieu qui bouillonne, c'est un bouillonnement au sens où il est entièrement fécond dans cette chambre. Ce serait, moi je prends, quand je l'explique aux étudiants de la Cato, l'image du volcan. Je dis que dans l'effusion, le volcan s'exprime, et c'est la fécondité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en son fond, dans la chambre magmatique, il bouillonne de cet amour, et il ne cesse de bouillonner, parce que Dieu est amour, essentiellement amour. Donc, qu'est-ce qu'il fait, dit Maître Eckhart, parce qu'il est amour, eh ben, il ne cesse d'engendrer. Et c'est pour ça que quand il nous appelle à être des fils dans le Fils, il nous appelle aussi par le Fils à être des pères ou des mères dans le Père. Père-mère, enfin si vous voulez, ce ne sont que des noms quoi finalement. Mais pour dire la fécondité ou la générosité infinie de Dieu. Et cette générosité infinie, on ne peut pas la comprendre dans son expression sans entendre son implication de fécondité absolue. Et ce serait ça la déité, ce serait l'engendrement éternel du Père. Fils non, par le Père. Si je peux ajouter quelque chose, il me semble que nous avons souvent oublié la prière qu'on nous avait apprise enfant, à savoir que le Christ avait été engendré par le Père, non pas créé. Ça, c'est une erreur théologique grave. Ben oui, non, ben, quelle horreur. Maintenant, je l'entends tellement de fois, que le Christ a été créé par le Père. Et en même temps, je me dis, est-ce que nous avons assez réfléchi à la proclamation dogmatique de Chalcédoine, dans laquelle on dit que le Père et le Fils sont deux personnes, mais en sont une seule, et on ajoute sans confusion, donc on ne mélange pas, mais sans séparation. Oui. Allez comprendre,
Là, nous sommes à nouveau dans le régime de l'oxymore. Et me semble-t-il, c'est ce qu'on trouve au début de l'évangile de Saint Jean. Le Verbe était Dieu, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Mmh. Être avec Dieu et être Dieu, il me semble que nous avons tout qu'elle soit là-dedans. Exactement. D'une certaine manière. Et que précisément, entre le Deus Revelatus et le Deus Apostolicus, il y a ce avec et ce il était Dieu. C'est important de revenir à casser Dieu. Et c'est ça qui est véritablement en jeu. Comment Descartes se plaçait vis-à-vis du filioque? Alors c'est une question, à mon avis, importante, qui aujourd'hui encore sépare l'Église catholique de l'Église orthodoxe. Hein, c'est compliqué le filioque, hein, faudrait revenir au texte, donc au premier siècle du christianisme, parce que tout se joue là. C'est, je pense, au cœur de la théologie trinitaire et de la christologie de Maître Eckhart, cette question du filioque, sur laquelle on n'a pas encore beaucoup travaillé. Hein. Ça peut être un sujet de recherche pour plus de futurs chercheurs sur Eckhart. Je pense que ici, Maître Eckhart entend le Père et le Fils dans un rapport de consubstantialité, c'est-à-dire qu'il est proche en cela du pseudo-Athanase, c'est-à-dire qu'il est de nature incréée comme le Père est de nature incréée, et il est l'image parfaite du Père, pour reprendre Colossiens 1,15, donc toujours aussi Paul, Saint Paul, et là, le filioque pose finalement la condition de la troisième personne trinitaire, c'est-à-dire l'esprit en tant qu'il procède du Père et du Fils. Il voilà. Faudrait relire les sermons sur le Cantique des Cantiques voilà, de Saint Bernard de Clairvaux, vous savez, dans lequel il y a des sermons entiers sur, texte au début, sublime. Sur le premier texte du Cantique des Cantiques, qu'il me baisse des baisers de sa bouche, et dans lequel Saint Bernard explique que l'Esprit Saint est le souffle entre le Père et le Fils, précisément. C'est l'échange d'amour, c'est le trait d'amour, disons, entre le Père et le Fils. Et de dire, l'Esprit ne peut procéder que du Père et du Fils. Voilà, exactement. Et s'il manque une des deux personnes, il n'y a pas l'Esprit. Voilà. Les orthodoxes vous diront quelque chose de complètement différent. Mais me semble-t-il, c'est dans cette perspective que cela peut se comprendre. Loue grandement l'amour, comme le fait saint Paul quand il dit « Quelque œuvre que j'accomplisse, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Quant à moi, je loue le détachement plus que tout amour, et d'abord pour cette raison. Ce que l'amour a de meilleur, c'est qu'il me force à aimer Dieu, alors que le détachement force Dieu à m'aimer. Or, il est bien plus noble de forcer Dieu à venir à moi que de me forcer à aller à Dieu, parce que Dieu peut plus intimement s'insérer en moi et mieux s'unir à moi que je ne puis m'unir à Dieu. Isabelle Raviolo, que dans ce texte,
Eckhart pense Dieu comme étant le maillon d'une chaîne de détermination implacable, si je puis dire, et que le détachement serait une technique. Alors j'emploie ce mot à dessein, une technique, pour parvenir à l'extase. Alors, bon, évidemment, je force un petit peu le trait pour vous faire réagir. Mais c'est un texte qui a tout de même dû poser beaucoup de questions. Enfin, tiré de son contexte, en tout cas. Et par exemple, que devient la grâce ? Je pense qu'il n'est pas envisageable d'écouter ou de lire ce texte sans qu'il y ait la grâce en filigrane, si je puis dire. C'est exclu hein, chez Maître Eckhart, bien sûr que oui. Alors, pour parler de l'Abgeshi de Night, du détachement, qui est un terme capital hein, dans l'anthropologie eckhartienne, il faut l'entendre comme le premier point du programme de prédication de Maître Eckhart. Alors, il parle du détachement dans le cadre de ce programme de prédication dans le sermon 53. Quand je prêche, j'ai coutume de parler du détachement et de dire que l'homme doit être dégagé de lui-même et de toute chose. Donc, si cela prend une place aussi importante dans la perspective écartienne hein, de sa spiritualité, c'est pour dans justement l'optique du Liebemeister, c'est-à-dire l'optique de l'accompagnateur spirituel. Comment finalement vivre sa vie spirituelle au mieux, d'abord en commençant par voilà, désencombrer. Désencombre-toi de tout ceci, de tout cela, de tes désirs, de tes images, de tes croyances, de tes préjugés. Désencombre-toi, détache-toi même de toi-même. Et il va même jusqu'à dire détache-toi du détachement. C'est-à-dire qu'en réalité, ici, il dit à ses disciples hein, ne vous attachez pas. Parce que l'attachement aux créatures et l'attachement à Dieu lui-même, dont on fait peut-être une créature, hein. Alors il a des images assez intéressantes là-dessus, enfin drôles, même pas intéressantes, drôles, quand il dit que certains hommes prennent Dieu pour leur vache, ils aiment Dieu parce que, comme une vache, parce qu'elle donne du lait et du fromage. ils n'aiment pas Dieu pour lui-même, mais parce qu'ils veulent soutirer des trucs à Dieu. Alors là, quand dans votre texte il parle de forcer Dieu à m'aimer, c'est pas du tout la même chose. Justement, il entend une relation d'amour, et de pur amour, d'amour désintéressé, c'est-à-dire il entend vraiment ici d'appeler Dieu à m'aimer parce que je lui aurais fait toute la place. Parce que j'aurais justement, par ce détachement, cette virginisation de mon âme, cette tabula rasa que j'aurais faite justement, donner à Dieu toute la place en moi. Et faire place libre, c'est se libérer avant tout de toutes les créatures, de tous les biens de ce monde. Et quand on est un minimum honnête avec soi-même, c'est vachement dur quoi, de pouvoir comme ça se libérer de toutes ses attaches. Mais là où je voudrais revenir sur la notion de détachement et de son contraire, l'attachement, c'est de dire que, comme tout à l'heure quand on a parlé du corps, on peut envisager le terme même du détachement dans la perspective anthropologique d'un paradoxe, parce que finalement, cette mystique du détachement, hein, comme on l'a souvent dit, c'est avant tout une mystique de l'attachement, c'est-à-dire qu'on se détache pour s'attacher. Alors, je viens de dire qu'il ne fallait même pas s'attacher à Dieu. Oui, mais à Dieu tel que on se le représente, comme une vache à lait, justement, hein, puisque c'est son terme, mais à un dieu néant, justement. S'attacher à l'inattachable, ça relève d'un autre type d'attachement. Ça relève, justement, d'une expérience de l'attachement détaché, c'est-à-dire de l'attachement qui est vécu depuis l'étincelle de l'âme, depuis le fond incréé, depuis l'abîme de l'âme qui appelle l'abîme de Dieu, pour reprendre le psaume 42. C'est l'abîme appelle l'abîme, eh bien c'est parce que je me serais fait abîme hein, que j'appellerais
l'abîme, que l'abîme va être attiré, appelé au sens d'une attirance, d'un désir, justement. Hein. Comme si, voilà, on envisageait ici une attirance réciproque, et que pour que cette attirance réciproque ait lieu, et donc pour que cet attachement amoureux ait lieu, il faut que l'un et l'autre se reconnaissent. Donc il faut que Dieu puisse s'aimer en moi. C'est-à-dire qu'il voit en moi quelque chose qui lui ressemble. S'il voit un homme complètement encombré d'autre chose que de lui, il ne pourra pas rentrer. Oui, c'est là où son détachement est vraiment très différent de celui des stoïciens, par exemple, ou des bouddhistes. Puisque là, c'est pour laisser Dieu rentrer. Ouais. Ah, oui, c'est très différent. C'est très différent. Et c'est vrai que pour revenir à toute cette littérature féminine, la mystique rhéno-flamande, je pense au traité spirituel de Béatrice de Nazareth, par exemple, hein, pour qui j'ai un petit faible. Je pense que tout le long de ces 7 degrés de vie spirituelle, Béatrice parle d'un attachement, d'une vie bouillonnante du corps, d'un désir. Et en même temps, on peut se dire que c'est extrêmement érotique, que c'est extrêmement charnel, tout ça. Mais c'est vécu depuis un autre corps, justement. C'est pas le même attachement que celui qu'on aurait, par exemple, quand on tient à quelque chose et qu'on s'identifie à cette chose. Que c'est plus, finalement, pour que Dieu et moi, nous puissions vivre ensemble, mais c'est pour que moi je prenne toute la place, pour que c'est finalement l'orgueil ici qui dominerait, si vous voulez. C'est plus cet attachement-là, c'est plus l'homme qui est le maître d'eux, c'est au contraire l'homme intérieur qui prend toute la place, et l'homme intérieur c'est l'homme qui vit de Dieu, en Dieu et par Dieu. C'est cet attachement qui est toujours finalement un attachement blessé, donc un attachement désirant. C'est l'écharde dans la chair de Paul, et on ne peut pas aimer Dieu sans cette écharde. Sinon, c'est nous qui prenons les rênes et qui prenons toute la place, et c'est nous qui nous prenons pour Dieu. Donc laisser Dieu être Dieu en soi, c'est ne pas se servir de Dieu, mais servir Dieu. Et être un serviteur de Dieu, c'est plus être le servile, mais être l'enfant de Dieu. Sache que si tu cherches quelque chose de ce qui est tien, tu ne trouveras jamais Dieu, car tu ne cherches pas Dieu de façon limpide. Tu cherches quelque chose en même temps que Dieu, et fais justement comme si tu faisais de Dieu une chandelle avec laquelle on cherche quelque chose. Et lorsque l'on trouve les choses que l'on cherche, alors on jette de côté les chandelles. Ainsi fais-tu, quoi que tu cherches en même temps que Dieu, c'est néant. Quoi que ce soit par ailleurs, que ce soit profit ou récompense ou intériorité ou quoi que ce soit. Tu cherches néant. C'est pourquoi aussi tu trouves néant. Isabelle Raviolo, c'est Platon, je crois, qui le premier avait jeté un discrédit philosophique sur les images. Chez Eckhart, c'est plus compliqué, puisqu'il hérite, si je puis dire, de Genèse 1:26. Dieu fait l'homme à son image, vous l'avez dit tout à l'heure, et selon sa ressemblance. Et étant d'ailleurs, Eckhart étant d'ailleurs l'un des premiers à utiliser les préfixes de la langue allemande, il va créer un certain nombre de termes à partir du mot allemand Bild,
qui veut dire image, en particulier les termes Entbildung, Einbildung et Überbildung. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ces trois termes construits sur le mot Bild, qui forment, je crois, pour Eckhart, différentes étapes vers l'ouverture à Dieu? Oui. Effectivement, à partir de ce terme Bild, Eckhart va travailler la langue et proposer toute une dialectique de l'image qui n'est pas sans lien avec ce que saint Augustin envisageait à partir du terme format. L'image ici n'est pas loin justement de la forme, parce que c'est dans l'Einbildung qu'il y a conformation. Bon, on va y revenir. Alors, il commence par l'Entbildung. L'Entbildung n'est pas sans lien avec le détachement dont on vient de parler, c'est-à-dire que c'est l'au-delà de, on enlève, on est pur, on désencombre et on fait place vide pour justement laisser ensuite à l'image qu'est le Christ, hein, on rejoint Colossiens 1,15, donc à l'archétype, au modèle, de venir prendre toute la place et ainsi créer un pont, une médiation entre le créé et l'incréé. C'est-à-dire qu'en réalité, par l'Entbildung, j'ouvre la place tout entière à l'image véritable, au modèle, et ensuite je dépasse même l'image pour aller au-delà de l'image, avec un I majuscule, hein, et vivre l'expérience du dépassement de l'image elle-même, cette expérience mystique qui serait comme un saut, le saut du chevalier de la foi de Kierkegaard, où il faut sauter dans l'abîme. Sauter dans l'abîme, c'est l'Überbildung. Überbildung qui est donc au-delà même de l'image. Donc c'est vraiment ce qui est demandé à Marie-Madeleine, hein, au jardin de la résurrection. C'est quand elle cherche le Christ qui n'est plus dans la tombe, elle est affolée. Et elle voit un jardinier. Elle ne reconnaît pas tout de suite le Christ. Et elle lui demande, mais où est-ce qu'on a mis le corps de mon Seigneur? Je le cherche partout. Et là, il l'appelle par son prénom, Marie, et elle lui répond, Rabouni, parce qu'elle le reconnaît dans l'instant même où il l'appelle. Et tout de suite après, elle veut le toucher. Donc c'est le modèle, c'est l'image qu'elle veut toucher. Et lui, aussitôt, de lui dire, Noli m'étanguere. Ne me touche pas. Donc de l'inviter à vivre l'Überbildung. Mais là, justement, où l'on rejoint notre propos de tout à l'heure, c'est que vivre l'Überbildung, on pourrait se dire c'est vivre l'extase, c'est décorporé. Au contraire, l'Überbildung, ici, c'est une réincorporation, d'une certaine manière, dans le monde, mais autrement. C'est-à-dire qu'à partir de l'expérience qu'elle a vécue, elle ne sera plus dans le monde comme elle l'a été avant. Donc elle sera comme Marthe, c'est-à-dire présente à son œuvre, au milieu des œuvres, faisant les œuvres, sans être attachée aux œuvres, sans attendre quelque chose pour elle-même des œuvres, sans en tirer gloire, mais en rendant par les œuvres gloire à Dieu. Donc en donnant aux œuvres le nom du Père, en quelque sorte, et non pas son nom à soi. C'est comme aujourd'hui, tous les gens veulent mettre leur nom partout. C'est une maladie, hein, ces trucs où on signe. Mais avant, les artistes au Moyen-Âge, ils ne signaient pas. Il y a des anonymes. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça envisage l'expérience mystique du point de vue de l'éternité, mais dans le temps. Et vivre l'Überbildung, c'est l'appel du Christ à Marie-Madeleine. Voilà, va trouver mes frères et dis-leur, je suis ressuscité. Va au milieu des autres. Témoigne. Porte la parole et féconde la parole. Donc on reste dans la parole, on reste des hommes, et cet appel à la condition humaine, c'est un appel incessant finalement, puisque on a toujours à se désencombrer de nos images.
C'est le pouvoir des images, c'est un peu semblable au pouvoir des croyances. C'est une force irrésistible qui nous attire. Et si on n'en a pas conscience, on se laisse prendre, happé par cette force médusante. Et pour échapper à ces voix de sirène, on peut dire, on sans cesse, finalement, l'exigence du bon cultivateur revient, c'est-à-dire qu'on a à travailler, on a à faire l'effort de ce travail, et ce travail, c'est d'abord un travail de sens, dans la mesure où c'est un travail de langage, du logos grec dont parlait Michel, un travail de la pensée, un travail de disposition ou d'attitude corporelle aussi, parce qu'on ne pense pas son corps, hein. C'est impossible, désincarné, ça n'existe pas. Hein. C'est une pensée qui, justement, exige une orientation du désir, exige finalement une présence de soi à ce qu'on fait, et en même temps sans que le soi soit un ego, mais un soi vécu depuis le fond, depuis l'abîme, depuis l'incréé, c'est-à-dire depuis une autre forme une autre expérience de la croyance. Ce ne sont plus des croyances images, préjugés, doxa, mais une foi, un vrai credo qui est finalement assez proche de cette croyance qui fait agir, qui engage et qui donne finalement d'y croire et donc de faire le grand saut dans l'abîme. D'être présent sans s'occuper de soi ou s'occuper de soi au sens narcissique du terme, si vous voulez, mais sans être dans un point de vue égotiste. Voilà. Je sais pas si j'ai été clair, mais. Oh. Alors, j'ai bien envie de vous demander, est-ce que ce n'est pas là le comble de l'amour? Parce que lorsque Marie-Madeleine s'adresse au Christ en disant Rabouni, oui. On sait très bien que ça veut dire petit maître chéri. Oui. Mais petit maître chéri, et avec la réponse ne me touche pas, c'est est-ce que précisément le comble de l'amour, ce n'est pas dans le corps glorieux, et non pas dans notre corps concret. Si, je pense. Ça, moi, j'en suis profondément convaincu. Oui, c'est le comble de l'amour. Donc justement, même quand on parle de l'amour humain, est-ce que aimer l'autre, c'est justement pas le laisser libre, hein, lui laisser toute la voie, sa propre voie, et c'est pas justement se l'approprier. Vous savez, Maître Eckhart parle de l'appropriation du sujet, hein, en disant voilà, le pire ennemi de l'homme, c'est le mien et le tien et le sien. C'est-à-dire, c'est cette volonté de faire, de ramener à soi, de vouloir s'approprier les créatures, le monde et Dieu lui-même. Mais justement, si on pousse au bout, je pense à ce que nous avons dit tout à l'heure en rappelant la parole de Maître Eckhart. Le regard par lequel Dieu me regarde, les yeux par lesquels Dieu me regarde, c'est la même chose que le regard que je porte sur lui. Est-ce que on ne peut pas le traduire en disant, est-ce que à travers l'homme, Dieu ne se regarde pas lui-même? Est-ce que Dieu ne s'aime pas lui-même? Mais bien sûr, mais si et seulement si, l'homme lui laisse la place, parce que Dieu nous laisse libre. C'est-à-dire, est-ce que l'amour n'est pas dans sa plénitude complète? Ah oui. Est-ce que l'homme n'est pas appelé à ça? Oui, mais là, moi, je pense toujours à la figure de Saint François, qui pour moi est vraiment une figure que j'aime beaucoup, et qui, je pense au Fioretti, là, maintenant, c'est le passage des Fioretti où il... le passage du panier. Il vanne un panier et puis il s'attache à son panier parce qu'il le trouve beau. Il se dit, je suis vraiment l'auteur d'un super beau panier, là, c'est génial. Et puis, à un moment, ouais, il revient, hein, parce que on est constamment, finalement, attiré par ces désirs d'appropriation, de faire sien, de s'attacher à... Et même des grands saints comme François, donc ça rassure... les petits gens comme nous, quoi. Et il se dit, bon ben voilà, je me suis trop attaché à ce panier, je vais le mettre au feu. Et c'est, c'est la vie de l'homme, c'est une vie en tension, une vie en combat, une vie de lutte, hein, une vie intérieure, c'est pas,
c'est pas du zen, hein. C'est difficile, ça demande un effort, c'est incarné. Parce que justement, on ne doit pas aboutir à la parole de saint Paul, qu'on a déjà cité, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Oui, et c'est-à-dire laisser toute sa place au Deus. Effectivement, et ma force, c'est ma faiblesse, et ma faiblesse, c'est ma force. Je veux dire, c'est pas. Saint Paul, il revient à son humanité fragile, finie, limitée. Il revient, si vous voulez, à cette condition charnelle, voilà, qui est la condition de l'expérience aussi, qui finalement appelle à. S'éprouver soi-même dans sa mort. Voilà. Michel Cazenave, en fait, dans les types psychologiques, Jung écrit « La pensée des cartes vient du fond de l'esprit collectif commun à l'Orient et l'Occident. Est-ce que cela signifie qu'il est légitime de rapprocher les cartes de Dogen, par exemple, et de dire que le néant et le vide renvoient à une expérience similaire ?» Honnêtement, je pense que lorsque nous parlons dans un contexte chrétien du vide, nous ne voulons pas désigner le nirvana bouddhiste. Et moi, je suis toujours très réticent devant ces gens qui vous disent « Bon, ben, en gros, Dogen, Maître Eckhart, effectivement, s'aboutit à de l'inconnaissable. » Est-ce que cet inconnaissable est exactement le même? Je n'en suis pas si sûr que cela. C'est là où, semble-t-il, il faudrait... Et lorsque Jung parle d'un fond commun, il parle bien de structure. Il ne déclare pas que ce qui est mis en jeu est réellement identique. Tout ce qu'il veut dire, c'est que les structures sont identiques. Et effectivement, les structures, on voit très bien comme si on prend tout l'effort du zen, par exemple, et l'effort de la mystique chrétienne, c'est souvent pareil. Bon, et on connaît tous les travaux de Kumaraswamy, etc., ou de Suzuki, qu'il avait bien fait ressortir. Effectivement. Mais je veux dire, est-ce qu'une identité de structure, on peut en inférer une identité de nature? C'est là où ça me semble un tout petit peu forcé, disons. Bon, mais en même temps, je me dis que ce que vise Jung, on voit très bien ce qu'il déclare dans sa vie et ce qui souvent n'a pas été compris par les ultra-rationalistes que se prétendent, les Français, c'est la manière dont il dit « J'ai essayé de retrouver ce qui en moi est éternel ». Or, éternel, on le comprend toujours, selon le mot de Woody Allen, vous savez, l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. C'est-à-dire un temps extrêmement long. Alors, lorsque Jung parle d'éternité, il veut dire exactement ce que ça veut dire. Autrement dit, c'est hors du temps. C'est hors du temps. Comment il retrouve précisément ce qu'il a été, malheureusement, le langage est ce qu'il est, de tout temps, c'est-à-dire en dehors de tout temps, d'une certaine manière.
Et il me semble que le rapport à Dieu est précisément, et on voit très bien comme il reprend au ciel d'Alexandrie, comment il écrit à la fin de sa vie que l'anthropomorphose divine, autrement dit l'incarnation de Dieu à travers le Christ, entraîne la théomorphose humaine. C'est-à-dire la manière dont l'homme, précisément, par ressemblance, va devenir Dieu. Va devenir Dieu. Bon. Disons, il devient comme Dieu, de cette manière. Bon, et on voit très bien comment Jung est présent, clairement, dans ce processus. Et je dirais, il aura été cartien jusqu'à la fin de sa vie. Mais en même temps, je pense que c'est cela qui fait qu'il n'est pas compris chez nous. Donc c'est-à-dire que pour Jung, il y a des structures qui sont universelles, qui sont valables pour tous les hommes. J'insiste bien sur le mot structure. Oui. Structure. Mais des structures qui débouchent sur donc des archétypes, qui débouchent sur des images archétypiques qui, elles, par contre, sont dépendantes de chaque culture et de chaque expérience personnelle. Écoutez, je vais prendre un archétype connu, qui est l'archétype de la déesse mère. Bon, il se trouve que je l'ai pas mal étudié. Mais la déesse mère chez les Aztèques, la déesse mère chez les Égyptiens avec Isis, la déesse mère chez les Sumériens avec Inanna, la déesse mère chez les Hindous, ce n'est absolument pas les mêmes visages de la déesse mère. Donc, le même archétype peut donner des symboles complètement différents, peut donner des images complètement différentes. C'est là où, me semble-t-il, on a un peu trop confondu les archétypes, puisque Jung fait bien la différence entre les archétypes, ce que ça veut dire exactement au sens grec, ce qu'on retrouve chez Plotin, chez le pseudonyme, etc., et la différence qu'il fait entre les archétypes et les images archétypiques. Si on parle d'Isis, si on parle d'Inanna, si on parle de la Shakti dans l'Inde, ce sont des images archétypiques. Ce n'est pas l'archétype lui-même. L'archétype est une structure, et une structure vide. Ça, il insiste bien là-dessus. Non, mais là-dessus, je me rappelle une discussion avec Lévi-Strauss, dans laquelle il disait, voilà, il me sortait les archétypes, vraiment ce que j'appelle la vulgarisation paresseuse. Je lui disais, c'est pas exactement ce qu'a écrit Jung. Ah, il était tout étonné. En disant, bah, il a dit la même chose que moi. Ah bah, ça, alors là, il n'en revenait pas. Ceci dit, il m'avait confié qu'il avait travaillé avec Layard, l'anthropologue. Or, il se trouve que Layard était un élève de Jung. Éventuellement, quelques petites choses lui avaient été transmises, mais il n'en avait absolument pas conscience. Defense!